Et voici donc Lille contre l'Olympique de Marseille. Bonjour, c'est avec Paul Heure que Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Lille contre l'Olympique de Marseille. Il écarte, il joue sur l'aile. Là, il peut centrer. Balmont. Valbuena. Fanny. Valbuena. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Écoutez, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais là, c'est un petit peu n'importe quoi. Une très grande ouverture. Sidi B. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. Valbuena. Valbuena. Gignac maintenant. Et c'est un ballon qui n'ira nulle part. Oh, ça peut être intéressant. Il est sur le côté. Valbuena. Oh, il est bien placé. Mais alors, c'était juste. C'était vraiment pas évident du tout. Mais l'arbitre assiste à raison. Idrissa Gueye. Elle était facile, cette passe, pourtant. Gignac maintenant. C'est bien défendu ça. Bien joué, ça peut être dangereux. Il est à distance de tir. Oh oui. Tant qu'on le garde dans le but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Balmont. Soirée. Balmont. Sidi B. Mavouba. Idrissa Gueye. Balmont.
cherche la verticalité. Ah, c'est pas un bon ballon. Interception. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il frappe au but. Fanny. Et le ballon est récupéré. Valbuena. Calou. Allez, il faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Calou. Roux. Bien placé, le gardien. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très, très compliqué. Gignac, maintenant. Ah, il peut mieux faire sur ses passes. Valbuena qui est servi. Bien joué le gardien. Il avait pourtant bien contrôlé le ballon, mais il était peut-être trop impatient de tirer. C'est dommage. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. La frappe. Manque de communication peut-être sur cette occasion. Le ballon lui est carrément arrivé sur la tête. Quel centre. Un ballon récupéré par la défense adverse. Il tire vers l'avant. Payet. Gignac maintenant. Ouf, ils vont pouvoir un peu respirer. Une très longue passe. C'est bien conservé sa lucidité maintenant. Le drapeau ne s'est pas levé. Au but pour Lille. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. C'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Romao maintenant. Soirée. Il intercepte, quel exemple de concentration. Soirée. Seul. Kerr. Oh, quelle intervention! Oh, cette attaque n'ira pas plus loin. Balmont. En roue. Ballon aérien. Insistez toujours. Et ce ballon qui revient. Il reçoit le ballon. Balmont. Il va tirer ce corner. Oh, quelle frappe! Et la touche maintenant. C'est bien défendu ça. Ce sera 6 mètres pour le gardien, je crois.
maintenant Roux. On est maintenant dans les arrêts de jeu. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période.